Est-ce que vous voulez juste parler comme si vous parliez en direct? Ouais, Cédric et Roux, agriculteur, vrai souriant, délinquant. J'ai une quinzaine de personnes qui sont chez moi et que je cache. Cette gamine, elle est légitime de rester en France, hein, la maman aussi, hein, si on leur laisse le droit de faire une demande d'asile. S'ils n'ont pas de pièce d'identité, ils vont devoir me suivre. Non, je m'en suis pas. Eh bien, ils vont me suivre quand même. Et en fait, on aurait aimé parler avec le préfet des Alpes-Maritimes pour lui expliquer la situation dans la Roya. On entend dire, oui, mais la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Les solutions, il y en a. C'est des gens qui ont des droits, parce qu'ils sont sur le sol français, donc qui devraient être pris en charge par l'État. Bonjour à la police, maintenant. Allez. J'avais confiance en la justice. Je pensais que la justice était indépendante, et on a la preuve que non. Ayez confiance, parce que nous défendons la vie, nous défendons des gens. C'est là-dedans la liberté pour moi. Et moi j'ai envie de continuer d'être libre. Je demande d'asile en France. Moi c'est des histoires personnelles. Ils peuvent me faire ce qu'ils veulent, je continuerai, je ne m'arrêterai pas. Et ce sera à vous à prendre le relais, à venir chez moi, ça continue.